tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve de magie. Coucou les loulous. Coucou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hop là. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir une surprise que Corentin et Océane nous veulent depuis très longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais oublié en haut de mon placard quand même. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Attention, attention les amis. Ferme les yeux, moi. Tu veux fermer les yeux? Ouais. Ah oui. C'est des butt chips. Oui, tu sais pas comment ça s'appelle, mais c'est dur à moi, dire. Alors. Oui, tu vas l'ouvrir. Alors regardez, les petits loulous, nous avons un butt chips, c'est les choses qui s'attachent, c'est ça que tu voulais. Et nous avons donc une petite glace gâteau et les insectes. Alors on va les ouvrir. Oui, on va les ouvrir tout de suite. Alors comment on ouvre ça? Alors attends, on va pas tout déchirer la boîte. On va pas tout déchirer la boîte. Alors, attendez. Voilà, là il y a du scotch sur le côté, donc je vais t'enlever le scotch parce qu'il faut peut-être qu'on récupère la boîte pour plus tard, non? Pour ranger dedans par exemple. Oui, mais ça se range en un tour de main, tu fais une grosse boule avec. Ah ouais, tu connais hein. Alors les petits amis, dites-nous dans les commentaires si vous en avez déjà eu, si vous connaissez. Peut-être des photos de vos créations parce qu'on peut créer plein de choses avec ça. Mais regardez, tu es surtout. Voilà, donc voilà. Il sert juste un peu devant, c'est tout. Ah non, il n'y avait pas besoin, regarde. Hop. Et voilà, Océane, fais voir Corentin. Ah, mais moi, j'y arrivais pas, moi, je faisais ça. Ah, en Corentin, la boîte, elle est juste foutue. Alors voilà, donc comment que ça se présente? Donc j'en profite, voilà, donc ils ont les bonnes chances. Donc des roses, rouges, blancs, verts, marron, n'importe quoi. Là, tu as des... Parce que Océane, elle a le kit pour faire des glaces, des gâteaux, etc. Il y a plus de 60 pièces. À l'intérieur, il y a... C'est pas marqué. Ah, voilà. Donc, avant, nous avons un cône de glace. Ensuite, voilà. Un cône de glace, une bougie, des belles gemmes. Je peux faire un escargot avec. Oui. Tu peux faire un escargot. Ah, et une notice. Oui. Très important. On n'en arrive pas à l'ouvrir. La porte. Ouais, donc j'ouvre le petit sachet où dedans il y a des accessoires. Tiens. Et là, nous avons le petit flyer. Oh, c'est trop facile à faire. Alors, c'est à partir de 4 ans. Alors, surtout, ne pas mettre dans les cheveux. Voilà, parce que ça peut emmêler les cheveux. Donc voilà, donc on a toutes les instructions. C'est un peu comme les Lego pour faire le petit cupcake. Faut faire le gâteau et la glace. Fais la petite libellule. Et bien sûr, après, vous faites ce que vous voulez. Donc, vous voyez, là, par exemple, ils disent que vous avez besoin de 5 roses, un rouge, et 9 blancs, 2 yeux et un coupe à cupcake. Regardez, il y a des petits champignons. C'est pas des petits champignons, louloute. Quoi? Des petits champignons, elle dit. Regardez. Elle dit que c'est des petits champignons. Mais non, ce sont pas des petits champignons. Ce sont des yeux, Océane. C'est pour faire quoi? Vas-y, j'en ai. Voilà. C'est pour Et Corentin, lui, il a un kit pour faire quoi? Donc, des voilà. Insectes. Voilà, à quoi il ressemble. Voilà, maintenant. Donc, ça s'appelle les bestioles. Et bien. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Fais voir. Hop. Alors, voilà tout ce qu'on peut faire avec l'escargot. Voilà. Coccinelle. Libellule. Trop chouette. Oh, je vais faire libellule, quoi là. Ah, les accessoires. Voilà. La libellule la plus facile. Ouais, les ailes, la libellule. Tu veux que je l'ouvre le sachet? Après, bien sûr, vous pouvez faire plein d'autres choses. Hein. Plein d'autres choses. Mais aussi, hein, regardez, elle est en train de créer quelque chose sans forcément regarder le modèle. Donc, c'est vrai qu'avec ça, on peut faire vraiment plein de choses. Comment ça mettre la bougie? Eh bien, il faut le mettre dans un trou. Regarde, t'as dans des trous. Parce que vous voyez, vous avez des boules comme ça. Ça se présente comme ça. Il y a des trous ici. Voilà, il y a un trou au milieu, donc dans le trou, on met les accessoires. Voilà. Deux yeux. Pardon pour la caméra.
De tout ça, je n'en ai pas besoin. Tout ça, tu n'en as pas besoin? Non. Alors, Corentin est en train de faire ses petits tas, là, voilà. Étape numéro rouge. Une. Et on se retrouve juste après la construction de Corentin. Rosiane est en train de faire une super glace. Et moi, je vais peut-être essayer de faire un cupcake. Oh, ben pas avec les miens, parce que moi, c'est inutile. Oui, pas moi, je vais faire un cupcake. Insecte. Voilà. Non, toi, tu vas faire une glace, parce que moi, je vais faire un cupcake. 5, 6, parce que moi, je vais faire un cupcake. 8, 9. Ah, tu veux faire un cupcake? Oui. On va voir ce qu'il te faut. Alors, comme Océane, elle veut faire, elle, le cupcake, et ben moi, je vais faire un gâteau. Attends, mais j'ai besoin. D'anniversaire. Fait du bruit. Donc voilà, donc il me faut. J'ai tout pris pour faire mon gâteau d'anniversaire. Mon gâteau d'anniversaire, il ressemble à ça. Voilà. Du coup, je fais un gâteau d'anniversaire. Donc il nous faut déjà 21 roses, 18 marrons, 11 blancs, une bougie et deux yeux. Donc c'est parti. Donc comment on fait? Donc on fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ok. Ah. J'ai besoin du papier, mais pourquoi? 1, 2, 3 roses. Voilà, 3 roses. Voilà. Donc là, je vais continuer à monter mon gâteau. Et puis on se retrouve juste après, quand Corentin aura fini aussi sa libellule et Océane sa glace. Alors, à tout de suite! Et voilà mon création. Donc voilà, Océane nous a fait une jolie petite glace. Non, c'est pas moi. Non, c'est moi, pardon. Jolie petite glace. Un caca de libellule. C'est moi. Un joli cupcake. Ah, c'est trop chouette ce qu'on peut faire c'est avec ça. C'est moi qui l'ai fait le cupcake. Oui, c'est Océane qui l'a fait. Un joli gâteau d'anniversaire. Passe-le. On souffle la bougie. Et Corentin a fait une méga libellule trop rigolote, voilà. Elle est trop rigolote. Et voilà tout ce qu'il nous reste encore. Voilà, donc ça s'accroche, c'est super pour ranger. On a, quand on en a plein sur la table, tac, tac. Oups, là, pardon. Voilà, c'est super à ranger. Voilà, donc on peut faire vraiment, vraiment, vraiment plein de jolies choses. Elle a combien de pattes? 6 pattes. Oh, elle a 6 pattes. Entre Chouette et l'araignée, elle a combien de pattes? 8 pattes. Ouais, bravo, elle Corentin. Elle en a 2 plus. Eh ouais. Alors, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. Si, ben, pourquoi pas sur Facebook, par message privé, ou je sais, partager des photos si vous en avez de vos créations avec les bonnes chances. Corentin, Océane, est-ce que ça vous plaît ce super jouet? Moi, ça me plaît. Hein. C'est mieux que les Lego, je trouve. C'est plus facile. Ouais, ça vous plaît? C'est facile? Ah, c'est ouais dur à faire? Oh, c'est pas dur à construire. Non, c'est pas dur. Alors, il existe plein de modèles différents. Donc, on peut faire des mix avec vraiment tous les trucs. Après, on peut inventer nos propres bonhommes. Oui. Voilà. Et plus on en a, dans plus on peut faire des choses géantes. C'est super. Dans la pub, j'ai vu un nounours comme ça. Oui, c'est vrai que Corentin regarde beaucoup les publicités à la télé. Oui, et il existe un gros nounours. Mais là, c'est un gros cadeau. Donc, il est comme c'est ça. Une grosse. C'est un gros cadeau pour peut-être le Père Noël ou un anniversaire. Je ne sais pas. Vous aurez le gros coffret des bonnes chems. Alors, les amis, dites-nous, bah tiens, si vous l'avez commandé au Père Noël, par hasard, peut-être, parce que c'est bientôt Noël d'ailleurs. Mais oui, oh, j'ai commandé ça à Halloween pour faire un dragon. Ah ouais, enfin, un dragon, t'en veux plein. Ouais, plein, moi. Alors, les petits copains, dites, n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce vers le haut. Et si ça n'a pas déjà fait, abonnez-vous. Et on attend la prochaine vidéo. Tout est super génial.